C'est terrible. Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans une minute. Aujourd'hui, on va parler encore des mises à jour Oreo. Oh. Ça fait 2-3 mois qu'on s'étale là-dessus. Si je vous fais une autre vidéo, c'est que j'ai d'autres informations qui sont super intéressantes, dans tous les cas. Déjà, la liste a été mise à jour. Et c'est au plus grand bonheur des utilisateurs de Galaxy J3. Déjà, tout ce qui était en septembre est passé en octobre, à part la Galaxy Tab A2016 10 pouces qui est passé en novembre. Le J3, le J5 et le J3. J'ai regardé les gars ce matin. Ah. Bon, après, ça c'est le serveur de test, oui, bien sûr. Nouvelle bêta pour le J7 2016, tiens. Et aussi, il a été certifié GFX Bench, vous verrez plus tard dans la vidéo. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est J330 FN. Le J3 Oreo est sorti aujourd'hui. Hein. Vous cherchez dans vos mises à jour. Tous ceux qui ont un J3, la BRI1, c'est Oreo. Vous voyez, avec le patch de septembre ou de juillet. Jamais été aussi précis. Juillet, parce qu'il y a le BRG2 et qu'ils sont capables de vous mettre un patch de juillet avec une mise à jour sortie en octobre. Donc, le J3 a eu Oreo. En conséquent, vous pouvez l'éliminer de la liste que je vous ai montrée. Donc, du coup, on va passer. Et donc, du coup, on va retourner sur la. Si on remplace. Faut pas chercher. Toujours sous nos gars. Toujours sous nos gars. Donc du coup, on repasse vite fait sur la liste. Donc, le J7 2016 pourrait l'avoir ce mois-ci. J'explique. Ils ont commencé à tester Oreo sur J7 2016 fin août en Russie. Ok. Donc normalement, les tests durent 2 mois. Et en Europe, les premiers pays qui distribuent chaque fois les mises à jour sont l'Italie. À contre-cœur, mais oui. L'Italie, je déteste l'Italie pour ça. L'Espagne. Ou la Pologne. Et la Pologne, puisque là, ces pays-là. C'est la Pologne qui a sorti le. C'est la Pologne, le premier pays européen. Bon, ouais, européen. Qui a sorti la mise à jour Oreo. Sur J5, 2017. Après, du coup. Normalement, Oreo est stable pour tous les appareils là. Et du coup, ceux qui utilisent J7 2016, vous inquiétez pas, vous êtes les prochains sur la liste. Donc, là, ce qui est sûr, c'est qu'en octobre, on va se débarrasser du J3 et du J5. Le J3, c'est déjà fait, le J5, c'est bientôt. Peut-être même du X-Cover 4 si on a la chance. En tout cas, J7 2017, je pense qu'il va attendre encore 1 mois. Ou si on est chanceux, on se débarrasse aussi ce mois-ci. Si on est chanceux aussi, on peut avoir Oreo ce mois-ci en France. Donc normalement, le J5 devrait avoir Oreo ce mois-ci. Parce que J3 et J5 étaient prévus pour juillet. On a déplacé 3 mois à mise à jour. Pour ce mois-ci ou en novembre, parce qu'ils ont sorti un patch de sécurité au mois d'août, c'était pas très très sympa. Bon, on se retrouve sur l'ordi tout de suite. Yo, tout le monde, c'est dangereux. Alors, non, je suis là. Parce que vous savez très bien qu'on a commencé la vidéo sur le téléphone. Donc, du coup, c'est juste pour vous montrer. Le dossier de l'année, le dossier brûlant de l'année. En ce 24 septembre, une nouvelle version est apparue. Et cette nouvelle version, c'est pas n'importe quelle version. Android 8.1.0, Samsung Edition. Les gars, on est tout près de la Relay Signal sur J7 2016. Dès que la première ROM sorte, qu'elle soit russe, polonaise, italienne, espagnole, la première ROM qui sort en firmware téléchargeable, je l'installe. Et je vous fais une vidéo dessus.
Donc les gars, vous aurez pour sûr une vidéo sur Android Oreo 8.1 sur le 7/2016. Pendant les vacances de Toussaint, je suis sûr qu'il y a une ROM qui va sortir même avant. Parce que vous vous rappelez à peu près de ce qu'a dit Samsung République Tchèque. Première moitié d'octobre. Il reste combien de jours à moitié d'octobre? 12. Donc le 15 octobre, au plus tard, Oreo sorti sur le 7/2016 en République Tchèque, et s'ils n'ont pas changé les dates. Mais normalement, vu que Oreo est assez stable et qu'en Russie, ils suivent les mêmes bêta que nous, soit c'est en Russie, soit en République Tchèque. Parce que ces deux pays, je me disais, ils vont sortir en premier Oreo. Bon, après, les gars, je vais pas trop vous embêter, mais j'ai 7/2016. Retenez bien, j'ai 7/2016. Son exploit héroïque, c'est d'être le premier G à avoir deux mises à jour. Le premier milieu de gamme de Samsung à avoir deux mises à jour. Parce que les A, c'est le milieu de gamme premium, ça compte pas. Les Galaxy grands, ils avaient une mise à jour. Le Galaxy J5, il avait une mise à jour. Le J7 2016, ils ont tous changé. Deux mises à jour sur le. En fait, ils étaient aussi pas obligés de mettre deux mises à jour. Ils ont mis le même processeur dans le A3 2017, le J5 2017, le J7 2017, le A6 2018, la Tab A 2016 10 pouces et le J6 2018. Ils étaient un peu obligés de lui mettre Oreo dessus. Je suis désolé. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Et ce mois-ci, je vais sortir une CT compile avec Goldfender et sortira plutôt en novembre. Ce mois-ci, je vais sortir une deuxième vidéo pour les 10 ans d'Android, parce que les 10 ans d'Android, c'est le 22. Et si j'ai 7/2016 à Oreo, je sortirai une vidéo dessus. Bon, sur ce, je vous laisse. Ciao! Tu peux t'abonner, liker, me follow sur Twitter, sur Discord et regarder une autre vidéo. Bon, je vais pas t'embêter plus. Ciao.